J'ai dit que je sois. Et l'écriture s'accomplit, tout est accompli. Tout s'est bien passé. Je ne suis pas tombé sur ça.
gardez-vous d'être troublés, parce que l'épouse signifie, pardon, l'épouse est en train, vous voyez, de suivre un signe, un seul signe. Alléluia. Celui de la parole. La parole, vous voyez, manifestée en ce temps de la paix. Car c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Avec toutes ces choses, alléluia, nous avons écouté les guerres, les vues des guerres, les choses de l'autre terre.
ce matin, tous ceux qui ont pu faire des déplacements les soirs ont donc été largement enseignés là-dessus. Alléluia. Nous sommes exactement dans un enseignement de grande controverse après celui des tonnerres, ces tonnerres. Ceci a aussi, vous voyez, ces sujets de grande controverse dans ce message. Et
sur toute l'architecture de la parole, etc., etc. Alors, quand ils vont vous approcher, si vous n'avez pas les détails, vous voyez deux enseignements, deux prêts fondés de cela, parce qu'ils ne viendront pas. Vous voyez, ils viendront pour vous attacher ce que vous avez. Alléluia. Ils vous diront, mais voici, voilà, ce qui, c'est ce qui a été. Et si vous n'avez pas les armes offensives et défensives, vous serez une proie facile. Alléluia. Ce qui montre vraiment, Christ nous a sauvés gratuitement. Hein? Mais pour monter, vous voyez, prendre place sur ce tour-là, ce n'est pas gratuit. Alléluia. Ça, il faut que Dieu me l'a dit. Il faut beaucoup de tribulation. Ce n'est pas beaucoup de tribulation. Il faut vraiment accepter toutes choses et pouvoir passer par là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, que je sois franc, que je sois marié, que je sois dépressé et tant d'autres disent, il faut revenir à l'Écriture, il faut revenir à ce que la Bible dit. Mais ce que Frère Bernard m'a dit, c'est justement. Alléluia, ça, je vous l'ai déjà dit, vous-même vous avez donc
5 jours de 12 mois. Et là, ça marchait un peu. Mais il y avait des décalages, de sorte qu'il devait ajouter un jour complémentaire. Vous voyez, tous les 4 ans, ce qu'on appelle l'année bissextile. Voilà, chaque 4 ans, il faut ajouter un jour. Sinon, ça ne tombe pas bien. Alors, nous savons aujourd'hui que l'année compte 365 jours et quart. 365 jours plus 6 heures. Voilà, c'est cela. Il y aura 7 semaines et ce sont 2 semaines. Alléluia.
Et qui usait la force des armes afin de libérer la Palestine.
capable de vous creuser les ménages. Mais quand est-ce que, non, je vais être prêt. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Aide-moi, être prêt. Alléluia. Amen. C'est cela, c'est le diable qui fait ça. Et le diable, en le faisant, vous donne de contrarier la parole de Dieu. Or, l'ennemi ne contrarie pas la parole de Dieu. L'ennemi marche dans l'harmonie de la parole de Dieu. Alléluia. Ne va pas à l'encontre de la parole, de ce que la parole dit. Et c'est pourquoi cette église est tranquille avec tout ça. Pourquoi? Parce que nous savons les détails. Vous voyez, en ce qui concerne, vous voyez, le message du temps de la paix. Là où vous ne pouvez même pas mettre le doigt. Non, non, non. Je ne m'aventure pas là-bas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Moi, ce qu'il me demande de faire, voilà, c'est maintenant que ce que je dois faire. Et je veux être à la hauteur de cela. Alléluia. Amen. Amen. Si vous allez dans les spéculations, Dieu n'est pas dans les spéculations. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, bien aimé, c'est cela. Nous parlons donc de toutes ces choses. La prophétie, il pouvait donc discerner les pensées des cœurs. Très important. Voilà. Et ça, voilà, ça attirait l'attention de plusieurs sur, vous voyez, le ministère même du Messie. Très bien. Et maintenant, ceci va conduire le prophète à la troisième phrase. Parole est dévoilée. Toute la parole est révélée. Alléluia. Oh,
après cela, vous voyez, d'aller à une personne vive, et là, il prêcherait jour après jour en ce qui concerne les choses de toute la vie. Alors, les choses de toute la vie, c'est-à-dire, quand il commence à révéler, vous voyez, le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut, vous voyez, cela prend toute l'Écriture, toute la Bible entière sera révélée. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'était l'ouverture de la parole. Or, avant 1963, Frère Bernard essayait aussi de prêcher sur cet enseignement des 110 semaines d'Aliens. Et puis, il a pris, ouais, les documents, les encyclopédies, il s'est référé, vous voyez, pour que, vous voyez, nous sachions que William Marie Branham n'est pas Jésus-Christ. William Marie Branham n'est pas le Christ incarné non plus. William Marie Branham, c'est un homme qui a eu la faveur de Dieu, à qui Dieu a donné, vous voyez, l'esprit de vie, afin de révéler la parole. Ainsi, William Branham, lui-même, ce qu'il avait dit au préalable. Alors regardez ce qu'il avait dit en 61, pas 63, en 61. 61, il avait déjà dit au 62 semaines, et il est allé là, tout comme les théologiens, et il a passé là la croix. Voilà. Ça pointe les 62 semaines, pointe la croix. Et puis, après, il y a Titus qui vient au 70, voilà, pour détruire Jérusalem, ici Titus arrive. En 70, pendant le temps, déjà il y avait déjà la descente du Saint-Esprit, la protection a commencé, et puis voilà, tous les chiffres ont été dispersés. Et puis là, vous avez les sept âges de l'Église, le temps appelé le temps de grâce, le temps de la grâce accordé aux nations païennes. Dieu s'est tourné vers les nations païennes pour tirer du milieu d'être un peuple qui porte son nom. Et ça, c'est l'épouse. L'épouse porte le nom de son épouse. Alléluia. Amen. Étant baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, recevant aussi son esprit. Et ainsi, dans toute la totalité des païens, c'est la rentrée. L'enlèvement aura lieu. Le rachat. Voilà. Or, c'est ça. L'enlèvement des sept. Ici. Voilà. Jésus-Christ a donné à son Église, vous voyez, de savoir que vous êtes
Jésus revient, non, il a. Oh, les protestants ne disent plus ça. Non, non, non. Et ils ne disent pas, viens Seigneur, non, non, non. Les églises évangéliques qui disaient, viens Seigneur, maintenant, commencent à dire, non, je ne viens pas Seigneur. Alléluia, seul l'épouse dit, viens Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez le millénium, vous voyez
Alléluia. Amen. Il dit dans les points du temps de la paix, réparer le jour même pour ce messager. Par quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Alléluia. Non pas le premier pôle, non pas le deuxième pôle, non pas le deuxième pôle, mais le troisième pôle, à l'ouverture de la parole, les mystères seront révélés. Alléluia. C'est cela. Qui étaient cachés et qui ont été révélés comme Dieu avait promis.
une moitié a été confirmée quand Jésus-Christ était sur cette terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs. Vous voyez? Et il a prêché pendant 3 ans et demi. Ça, c'est la moitié de la 70e semaine. La compagnie avait dit, qui le ferait? Alléluia! Amen! Et dans 5e jour, paragraphe 298, 5e jour, paragraphe 298, il dit ceci, au temps de Daniel, donc la deuxième moitié de la 70e semaine, maintenant, souvenez-vous, le Messie devait être rétorché au milieu. Ça, c'est la moitié. Eh bien, la moitié des sept, c'est quoi? L'Assemblée dit 3 ans et demi. 3 et demi. Christ a prêché combien de temps? L'Assemblée répond 3 ans et demi. C'est ça. Bon, mais la période qui a été fixée sur le peuple, il reste encore combien de temps? 1 an, 3 ans et demi. Se rectifier, Dieu de l'homme, voilà, montré par le Saint-Esprit, vous voyez, la justesse de la parole. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut plus rester, se fonder sur ce qui a été corrigé, sur ce qui était faux. C'est comme, par exemple, nous avons nos médecins. Voilà son témoignage. On sait qu'il sait que chaque année, il y a, vous voyez, des colonnes et tout cela, et des expériences, des recherches qui prouvent, qui montrent que tel médicament doit être retiré, vous voyez, du marché des pharmacies, des officines. Et pour la démonstration, ils ont montré que ça fait beaucoup de lipides. C'est vrai que ça soignait, mais ça fait plus de lipides, vous voyez. Yeah.
pendant deux semaines. On donne cela à un enfant de CE1 et il va dire d'accord. Donc il y a 7 semaines, et sont 2 semaines jusqu'à loin au conducteur. C'est simple, simple et simple. Alléluia! On n'a pas dit jusqu'à la croix, on a dit jusqu'à loin au conducteur. Vous voyez? Alléluia! Et il y a, c'est un grand détail dans la Bible. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu a fait venir un précurseur ayant l'esprit de lui pour montrer, vous voyez, au monde, à Israël, voici le Messie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé m'a dit, tu verras dans ton baptême. Vous voyez le Messie venir à toi. Quand tu verras le Saint-Esprit descend sous forme corporelle, sous forme de colon, c'est lui, tu verras que c'est lui, et c'est lui. Et nous allons, donc nous allons voir cela. C'est un grand détail ici. Vous voyez? Et j'ai vu, et
Jonas, alléluia, le vieux pécheur là-bas, sans le savoir, il m'a mis sur la piste. Alléluia. Amen.
avec Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. Non, il n'était pas encore point. Alléluia. C'est à 30 ans qu'il a été point. Et ça, c'est voilà la rectitude. Voilà. Quoique il fut déjà Dieu manifesté en chair. Mais il doit être point, c'est-à-dire mis en service. Dieu lui-même sur la terre n'a pas commencé comme ça. Il fallait être top départ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, regardez bien que voilà, il commença, il fut conduit. Alors dans Luc 3, 23, il fut conduit, vous voyez, dans la synagogue de Nazareth, juste après le baptême, 40 jours de jeûne dans le désert où Satan vient le tenter, et puis il le repoussa, il fut conduit dans la synagogue de Nazareth, dans Luc 4, 16, et où il déroula le rouleau du livre de la vie. Selon Esaïe 61, 1 à 2, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Est-ce que vous comprenez? Car l'Éternel m'a foué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il commença leur dire dans Luc 4, 21. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a foué. Vous voyez, jusqu'à loin au conducteur. Vous voyez, l'Esprit du Seigneur m'a foué. Il y a tellement d'écritures là-dessus. Vous voyez, montrant, vous voyez, le Messie ou loin manifesté à Israël. Il dit dans la synagogue publiquement, ils étaient tous là. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est pour montrer le top, le point de départ de la 70e semaine de Daniel. Alléluia. Alléluia. Quand vous prenez Matthieu 24, et là où il s'est saisi d'une annexe, il monta pour entrer dans cette entrée qui en bas à Jérusalem. Et où le monde avait, c'était le dimanche de l'amour, de l'entente où on le rationnait, etc., etc. La Bible dit dans Matthieu 24, or ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Zacharie, dans Zacharie 9, dit à la fille de Sion, voici ton roi, le conducteur, le chef, le prince, de paix. Et monter sur un âne, non, le petit d'une ânesse. Voilà, le conducteur, le prince, le Messie, le loin, jusqu'au même Messie, jusqu'au conducteur. Alléluia. Et la durée du ministère prophétique de Jésus-Christ est de 3 ans et demi. Alors, vous comprenez, je vais anticiper rapidement. Est-ce que vous savez à qui et pour qui les 110 semaines ont été données? C'est pour qui? Israël. Regardez le cadre dans lequel le ministère de Jésus se trouvait. C'est dans ce cadre de la vision des 6 points, de la visite de l'ange Gabriel à Daniel, pour le peuple de Daniel, pour la ville sainte, c'est-à-dire uniquement Israël, que Jésus pouvait dire dans les évangiles, selon Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourtant, les députés disent,
Comment vous pouvez expliquer ça? Aucun pasteur, aucun théologien n'arrive à expliquer ça. Alléluia. Dans Matthieu 10, 5 à 6, il dit à ses disciples, quand il les envoya deux à deux, vous voyez, dans Matthieu 10, 5 à 6, allez purifier les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais il dit, dans le verset 5, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez cela? C'est uniquement dans le cadre des soins d'Ismaël et Daniel, accordé uniquement à Israël et à Jérusalem, que Jésus pouvait dire ça. Alléluia. Pour accomplir la prophétie, vous savez, il faut le Seigneur. Fille de David, fille de David, elle vient de voir. Alors elle veut imiter les Juifs comme Bartimée, fille de David.
Le père des enfants au chien. Amen. Pourquoi? Parce que là, il était en train d'accomplir l'écriture de Daniel uniquement à Israël, uniquement aux Juifs. Alléluia. Mais maintenant, c'est à moi maintenant. La première est venue à moi. Le père des enfants, c'est pour moi. Les années pour moi, maintenant, nous devons manger à satiété. Maintenant, revenons au chemin et nous terminons. Alléluia. Oh, regardez bien.
Bon, maintenant, pourquoi à 30 ans, Jésus commence et puis il vient à Jean-Baptiste, il est baptisé et nous disons c'est l'an 26. Pourquoi là l'an 26? Parce qu'il y a eu un décalage dans les calendriers, comme nous le disions. Décalage d'au moins de 4 ans et d'au plus de 5 ans. Donc entre 4 ans et 5 ans. 5 ans et plus. Il faut donc avoir ce décalage de 4 ans au moins. Est-ce que ça va? Et ceci, c'est conformément au nouveau dictionnaire biblique, page 272. Ensuite, vous avez aussi à la page 389, paragraphe 3, ceux qui ont les livres 8 saisons avec parallèle, chaîne de référence de Luc 3:21, vous trouvez au bas de cette même page l'explication, la date. Ils ont daté, c'est en été de l'an 26 après Jésus-Christ, qu'il a reçu le baptême et qu'il a commencé son ministère. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous voyez, de là à la nouvelle Pâque, cela peut être 6 mois. 6 mois. Et d'une part à une autre part, cela fait une année. Donc nous venons maintenant là au récapitulatif. Le début de l'an, le ministère, c'est cela, l'an de Jésus. Et là où Jésus fut baptisé d'eau, c'est là qu'il commença son ministère. Amen. Il fut point et il commença son ministère. La première part arriva. Donc, de cela jusqu'à la première Pâque, cela fait 6 mois. La première Pâque, c'est bien dans le champ de prêt à 26. Jean 2, prêt à 27. Donc, la première Pâque, c'est la vie de l'an 27. Alors, nous tombons à l'an 27. Donc, Jésus son baptême à l'an 27. Et donc c'est alors que cette part que les vendeurs du temple ont été chassés par le Seigneur Jésus. Et il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une carrière de voleurs. Voilà. Je ne veux pas donc réformer le droit. Je veux rester toujours là. Et puis gagner de l'argent. Une carrière de voleurs. Ça, c'est 6 mois. Est-ce que ça va? Du début du ministère de Jésus-Christ, lors de son baptême, de l'an 26, à la première fois qui arriva dans son ministère de l'an 27, c'est l'an Jean 2, 13 à 27, où les vendeurs, dans le temps, ont été chassés par le Seigneur, cela fait 6 mois. Maintenant, de cette première part où le vendeur a été chassé, à la deuxième part du ministère de Jésus-Christ, d'avril de l'an 28 maintenant, selon l'écriture Jean 5, 1 à 47, Jean 5, 1 à 47, là, il y a eu la guérison d'un infirme à la piscine de Bethesda qui n'avait aucun parent pour l'aider, afin de le jeter dans l'eau.
quand l'eau est agitée par l'ange, il n'avait aucun parent. Tous ceux qui avaient des parents et qui étaient jetés dans la piscine, vous voyez, étaient guéris. Au moment où l'eau est agitée. Mais cet homme est resté là 30 ans, plus de 40 ans environ. Et il n'avait personne à ses côtés. Et Jésus longea, vous voyez, la piscine de Bethesda. Et à son niveau, il le trouva et dit, mais pourquoi ne te jettes-tu pas dans la piscine? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans cette piscine quand l'eau est agitée par l'ange. Et il dit, la deuxième guérison, il dit, oui, mon Seigneur. Et il dit, lève-toi, marche et prends ton lit à la maison. Il était plus que la piscine de Bethesda. Il est notre piscine de Bethesda. Alléluia. Alléluia. Quand vous vous jetez dans, vous voyez, le fleuve, vous voyez, du baigné du sang de Jésus-Christ, vous vous relevez. Alléluia. Guéri de toute infirmité. Amen. Alors que la première part, la deuxième part, c'est la deuxième année. C'est la première année de son ministère. Déjà, vous n'oubliez pas les 6 mois, donc 1 an et demi. Nous passons de la deuxième part. Vous voyez, à la troisième part, de l'entrée de l'œuf. Selon les débuts, la cour qui se révéla à Israël comme étant le Père de vie, le Père vivant descendu du ciel. Alléluia. Et beaucoup l'ont quitté parce qu'ils ont dit, mais ils nous prennent pour des cannibales. Il dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors, les gens qui étaient obligés, les 110 disciples sont partis. Alléluia. Alors, de la deuxième part à la troisième part, c'est la deuxième année, c'est la première fois, une année, c'est la deuxième année de son ministère. De cette troisième part à la quatrième part, toujours avec de l'encens. Alors, la part de l'encens maintenant, l'Écriture, c'est Jean 13, où il fit la scène serrée de la main de Dieu avec ses disciples. C'était la part qui va précéder à sa mort, juste la veille de la mort, de sa mort. Alléluia. Amen. Ceci donc est le droit de la troisième année de son ministère. Voilà. Et le lendemain, le matin, la veille, alors il va mourir sur le bas du calvaire. C'est fini là.